Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, je suis bien ici. Donc je crois qu'il y a encore un petit soda quelque part, mais avant ça, je peux pas le consommer. De toute façon, ça m'arrange, comme ça je vais essayer de manger un petit peu ça. Je sais pas si c'est bon de le consommer ça. Si j'ai eu de la chance. Donc prenons cette veste, cette couleur-là plutôt. Non, ça sert à rien en fait, tu vois. Voilà, on va lui mettre ça. On va lui changer le jean. Le jean, en fait, faut lui enlever. Ouh, je crois que j'ai fait une connerie, là. J'ai tout enlevé. Non, attends. Si, si, j'ai tout enlevé comme un idiot. Je savais pas que tu pouvais tout enlever, en fait. Ah, oui, je viens de comprendre. En fait, ça dépend aussi des vestes que tu vas obtenir, etc. D'accord, en fait. Donc le jean, je peux pas trop le changer parce qu'en fait, c'est lui qui me donne la place en fait. Il met les trucs dans les poches en fait. D'accord, bon bah maintenant on sait comment ça fonctionne à peu près. D'accord. Donc c'est plutôt bien. Body, F. Bon, partons d'ici, il faut que je trouve une hache ou un flingue. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelque chose sur le tableau. Je vais courir un petit peu pour pas perdre non plus trop de temps. Parce qu'en fait, sincèrement, c'est vraiment utile d'avoir la possibilité d'avoir des armes, un truc comme ça, un minimum vital. Donc là, je vais pas non plus fouiller à chaque épisode ce que je pourrais trouver, mais ça peut être intéressant, je pense. Le casque, je l'ai déjà. Il me faudrait aussi un sac à main ou un truc comme ça, ou un sac à dos, comme on avait l'habitude auparavant. Mais des fois, faut aller voir les trucs. Hein. Attends, je vais reprendre la grande veste. Je la mets où la veste? T'es pas sérieux ça? Tu mets où la veste comme ça? La veste, s'il te plaît. Donc, je vais mettre ça là. Ça marche pas. Donc la veste, je peux pas en tirer à quoi que ce soit pour le moment. Mais attends, j'ai une lampe en fait. Je suis idiot. C'est comment tu fais? Ah bah voilà la lampe. Comme ça on verra un petit peu mieux. C'est quoi ça? Ah bondage. J'en ai pas l'utilité pour le moment. Bondage. Je sais pas par contre s'il a une durée en fait la lampe. On va l'éteindre pour l'instant, ça vous dérange pas. Je vais l'arranger. Bah, si je dois tomber sur quelqu'un d'hostile et je commence déjà à me faire voir. Coucou, j'arrive avec la lampe. C'est sûr et certain que je vais pas survivre trop longtemps. Hein. Où est-ce qu'ils peuvent mettre des armes ou des haches ou des battes de baseball? Je crois que ça c'est vraiment un truc super dangereux ici, parce que c'est barbelé. Une vraie propriété à mon avis là-dedans. Une moto. Je pense qu'on pourra la réparer plus tard, la remettre sur pied. Non, y a rien du tout. Alors, si j'aurais été un survivaliste, où est-ce que je me planquerais? Bonne idée. Je pense déjà qu'on va sauter là. Dans ce préfabriqué là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Attends, je reprends la touche 2. Voilà, comme ça on va plus rien louper. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Là, il n'y a pas grand-chose. Salle de bain. Non, c'est pas possible. Ah, il y a quelque chose peut-être sur le... Eh, ils sont vraiment vicieux quand même, comment ils cachent les trucs. Hein. Oh, j'ai pas de bol. Et toutes les maisons sont vides, en fait. Hein. Oh, c'est pas possible. Je m'en fiche, moi, des lunettes. Bon bah, j'ai encore loupé quelque chose. Donc là, il n'y a rien à faire ici. Ça, c'est les jerrycans d'essence. J'en ai pas l'utilité. Sous la tente, il n'y a pas une arme ou un truc comme ça. Oh, il y a eu des meurtres. Un petit peu partout ici. Hein. On a l'impression qu'ils sont fait agresser de leur camping.
Est-ce que tu te caches? Tu te caches où? Non, il n'y a rien. Ah, peut-être que c'est ici que je pourrais trouver l'âche. Ouais, ça c'est l'huile en fait qui va nous servir pour plus tard. Donc c'est frais, hein. Il y a quelqu'un qui était ici installé il n'y a pas longtemps peut-être. Même si j'en doute. J'ai un kit médical en fait. Ah bah tiens un sac. Merde. Je l'ai pris ou pas? Je l'ai pris. T. Non, G. C'est bon, j'ai un sac. Ça c'est bien. On pourra transporter plus d'affaires. Déjà ça je le mets dans le sac. En attendant. Ça c'est bien ça. Donc déjà j'ai un sac. Là il y a un casque. Ah d'accord, dans les tentes il peut y avoir des trucs. Il est en or celui-là, il est plus joli. On le prend quand même. Comment tu te baisses dans ce jeu-là? Bah dis, il faut que tu te baisses. Je pense que c'est pas espace, mais ça doit être... Non, même pas. S'il te plaît, je veux juste me baisser, ramasser le casque. Merci. Donc, je crois que j'ai dû louper un truc. Sincèrement, c'est obligé qu'il y... Tu vois, y a beaucoup de choses en fait hein, dans les tentes. Hein. Et moi, comme un idiot, je les ai même pas... Non. C'est pas vrai, attendez. Je repars un peu là-bas. C'est obligé que j'ai dû louper une arme ou un truc comme ça. On va voir. Vous allez bien pour marrer. Vous allez dire, ah t'es sérieux, Bodji? Eh oui, eh oui, eh oui. Non, il y avait rien ici à l'intérieur. Il y avait rien non plus. Bon, finalement, j'étais pas aveugle. Hein. Oh, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Non, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a encore un truc là-haut, mais on va explorer d'abord la petite maison. Je vais juste changer quelques trucs. On va prendre ce joli casque, qui est beaucoup plus intéressant. Le pantalon. Bon, bah, on a à peu près le même, hein. On va garder ça pour l'instant. Dommage qu'en fait, on peut pas faire de la coopération, s'échanger les fringues, sans se buter tout de suite, quoi. Par exemple, tiens, fais ça et va t'installer autre part. C'est tout de suite le premier qui te voit qui te fume, en fait. Donc je pense que dans cette maison, on va trouver notre bonheur. Bonheur, bonheur, où est-ce que tu te caches? Alors. S'il te plaît, je veux une hache. Je peux commencer à crafter notre maison. Non, négatif. Ah, je la trouverai jamais, je crois. Non. Non plus, je veux pas de bonnet. C'est chaud quand même, hein. Il n'y a pas grand-chose en fait, hein, à trouver en fait. Parce que le flingue, ils vont pas te le mettre en évidence, hein. Oh, c'est pas possible. Ça me fait trop rigoler. Il y a un mec, on aurait dit, il est juste installé en face, quoi. Bon, je pars d'ici, je crois qu'on va pas trouver notre bonheur. Et je vais monter un peu plus haut. Non, il n'y a pas grand-chose ici. Franchement, ils auraient pu mettre un tout petit peu plus de choses. Parce que là, on aurait dit vraiment que tout le monde a tout dérobé, quoi. Ah, là-haut, je pense que je suis un peu plus confiant. Ah, oh, il est gigantesque, là, en hangar, là. Ouais, bah, c'était là où on était tout à l'heure. C'est pas vrai. C'est pas possible. On était presque là. Y a pas longtemps. Attends, me dis pas que j'ai fait un tour complet sur moi-même là. Ou ça se ressemble vraiment en fait. Bon bah tant pis. Hein. Ah, j'ai cru que c'était une hache. Oh non, j'ai cru que c'était planté moi dans un truc comme ça. Oh c'est pas vrai, je vais jamais la trouver cette hache. J'ai besoin de crafter. Le métal, après je m'en fiche en fait d'avoir une maison en métal, etc. renforcée. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant c'est trouver soit une arme, soit une hache ou soit une boîte de baseball ou un truc comme ça. Pour pouvoir enfin peut-être se lancer dans les craftings. D'accord, j'adore comment tu peux pas passer. S'il vous plaît,
Je vais pas me taper tout le tour. Je peux pas me taper tout le tour. C'est obligé que je vais réussir à sauter. Tu vas voir. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, elle est jolie la maison, mais je peux pas y aller pour l'instant. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah, on se tape tout le tour en fait, finalement. C'est bien ça. Ils ont bien. Oh, c'est bien. Allez, continuez. Ils ont tout barricadé. Mais qu'est-ce que t'es con des fois? Je me suis complètement enfermé là-dedans. On a de la chance, c'est qu'il faut pas que je remplace les piles de la torche. Ah, voilà. Avec ici que je pouvais un peu plus faire les trucs. Une hache, une hache. Oh, c'est pas vrai, ils ont même pas planté une hache ici. Ouh, je vais me casser la gueule, attention. Je peux mourir, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Où est-ce que vous êtes? S'il vous plaît. Il n'y a pas d'âge ici. Donc je reviens un peu sur mes pas. Parce que la maison, peut-être, hein, j'ai bien dit, hein, ça m'étonnerait, mais je pourrais peut-être trouver quelque chose. Mais sincèrement, j'en doute vraiment. J'y crois plus, moi, au bonheur absolu comme ça, où t'arrives et tu trouves trop de choses. Déjà, peut-être qu'ici... Non, t'as pas grand-chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je cherche des trucs. Oh, ça me plaît bien, ça. Déjà, un jerrycan d'essence complet. Bon, je vais prendre un peu de Coca-Cola. Une hache, une hache. Une batte de baseball. C'est quoi, ça? Une pomme. C'est fraîche, t'as vu, hein. On dirait que c'est un mec qui vient de la cueillir, quoi. Il vient de la poser ici. C'est trop marrant. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il peut y avoir des cartouches. Ah, un couteau. Ça, c'est déjà un bon point. Enfin. Vous voyez, c'est à force de chercher qu'on va finir par trouver quoi que ce soit, quelque chose. Va un peu moins vite, Body, dans les recherches. Peut-être que tu finiras par trouver quoi que ce soit qui pourra nous servir pour notre survie. Ah, c'est pas une hache là-dedans, là? Non. C'est le mec, il est obsédé, il veut des haches partout, maintenant. Non, Coca-Cola. Ah, c'est pas vrai. Je sais pas où ils ont planqué tout ça. Bon, je repars par là. La dernière pièce qui reste. Des planches. Normalement, des planches comme ça, je pourrais les prendre, mais je peux pas. C'est chaud de trouver des trucs, hein. Attends, je verrai juste un truc, ça vous dérange pas. Donc, j'ai le couteau numéro 3. D'accord. C'est bien de savoir, en fait, hein, où est-ce qu'il est positionné au cas où je me fais menacer. Peut-être qu'avec le couteau, je pourrais enfin commencer à crafter des trucs. Je suis pas certain, mais bon. Mieux vaut donner un petit peu... mieux vaut se... se donner un petit peu de courage. Donc... Je vais essayer de voir si je peux commencer à couper. Non, je crois pas. Je regarde encore un peu. J'en doute, hein. J'ai pas de bois, non, j'ai pas de bois. Finalement, c'est vraiment la hache qu'il nous faut. C'est pas vrai. Bon, par contre, qu'est-ce qu'il a? Il a faim, il a soif? Ouais, bah ça va vite quand même, hein. Bon, bois un petit peu le coca, le soda, là. C'est chaud, quand même, hein. Sincèrement, le couteau, il ne sert pas vraiment à grand-chose pour l'instant. Non. Ah, c'est pas possible. Bon, bah, revenons avec la torche. Et, sincèrement, commencer à en trouver autre chose. Ah, mais attends, il y a un village, ici. Oh, ça va être intéressant, ça. Ça va me plaire, ça. Peut-être qu'enfin, on va trouver notre bonheur. Sachant que j'ai déjà trouvé un couteau. Alors, où est-ce que le mec, il mettrait une hache? Bah, franchement, il a une réserve de bois, mais il a pas de... Il est où le tronc d'arbre, là, pour couper le bois? Ah, mais ça, bizarrement, il l'a pas, hein. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. Il met pas tout, hein. Ouais, donc, sincèrement, ce que je vais essayer de vous... Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de trouver tout ça. Donc on se retrouve dans le prochain épisode, les amis. Ok? À tout à l'heure.